à notre grande surprise. D'abord sur le nombre. Ils nous ont informé qu'il n'y avait que un peu moins de 200 cartes d'électeurs qui sont disponibles. Un peu moins de 200 cartes sur plus de 4000 cartes attendues. Donc cela nous a un peu surpris et étonné. Mais notre surprise est encore plus accentuée quand on s'est rendu compte qu'il y a des centres ou des zones où aucune carte devant voter dans ces zones-là n'est dans le lot des cartes. Il s'agit justement de la zone de Néma, à la mission catholique, c'est-à-dire l'école des sœurs, et à l'école des filles des HLM Néma. Au niveau de ces deux centres-là, tous ceux qui ont fait des changements de vote ou des nouvelles inscriptions qui doivent voter au niveau de ces deux centres-là, aucune de ces cartes-là n'est aujourd'hui présente à Ziguinchor. Nous trouvons cela suspect. Moi-même qui vous parle, personnellement, je dois voter à ce niveau-là. J'ai fait un changement de lieu de vote. Mais jusqu'à quand je suis venu demander ici à la préfecture, on m'a dit que ma carte n'était pas disponible. D'ailleurs, c'est toute la zone. Jusqu'à présent, au niveau de cette zone-là, aucune carte n'est disponible. Voilà, nous trouvons cela inquiétant, mais aussi suspect, surtout suspect. Parce que nous savons tous que c'est au niveau de ce centre-là que notre président Ousmane Sonko vote. Moi-même qui vous parle, c'est au niveau de ce centre-là que je dois voter. Donc nous proposons que ça, quelle coïncidence pourrait faire en sorte que les cartes qui doivent intéresser le bureau ou le centre de vote de notre président soient des cartes qui sont retenues. Nous n'accepterons pas cela et nous prenons l'opinion à témoin pour dire que à Ziguinchor, les citoyens attendent leur carte de vote pour aller voter dans la quiétude. Nous avons constaté que sur le nombre, il y a déjà un nombre insignifiant de cartes qui est arrivé. Et nous avons constaté aussi que par rapport à la distribution aussi, il y a un truc suspect, c'est-à-dire qu'il y a une zone, ou en tout cas un centre, où les gens n'ont pas encore reçu leur carte. Donc nous alertons. À Ziguinchor, nous disons, envoyez-nous toutes nos cartes et à temps pour que nous puissions voter calmement le jour J.